Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. C'est comment quand on est mort? Est-ce que la mort, c'est pour toujours? Ces questions prennent au dépourvu bien des parents. La mort, dernier tabou de notre époque, on préfère de loin ne pas en parler. Mais quand elle s'invite dans l'existence des tout-petits qui perdent un papa, une maman, un frère ou une sœur, il faut bien l'affronter. Alors comment les accompagner? Faut-il tout leur dire? Les associer au rite mortuaire ou plutôt les en préserver? Regardez ce reportage et on en parle juste après. La mort, c'est la fin de la vie. C'est dire qu'on n'est plus là, qu'on est au ciel. Ça veut dire que notre cœur, il ne bat plus, on n'est pas vivant, voilà. Sans quand ils sont morts, ils vont sous la terre. Ça veut dire que la personne, elle reste pour toujours sous la terre. Qu'est-ce qu'elle devient? Un squelette. Le squelette, il y a plein de d'os, mais pas des os pour les chiens. Vous pensez qu'ils vont quelque part ailleurs ou ils restent pour toujours sous la terre? Ils restent toujours sur la terre. Mais en même temps dans les étoiles aussi. Comment ils vont dans les étoiles? Personne sait, c'est un mystère. Ce qui se passe après la mort? Ah non, je sais pas. Tellement j'ai quelques idées, mais je sais pas. Je sais pas. Faut qu'on soit mort pour savoir. Mais je suis pas très en vie, quand même. En fait, on va dans le ciel et il y a quelqu'un qui nous transporte dans le ciel. Moi, des fois, j'imagine que c'est Dieu qui vient et qui nous prend. Les gens qui sont morts, ils se font enterrer, puis après, ils restent dans leur cercueil, puis ils sont avec nous, mais on les voit pas. On les oublie pas, mais ils sont quand même morts. Si on a peur de la mort ou pas peur, de toute façon, un jour, on va mourir, donc de toute façon, ça changera rien. La mort, ça me rend très triste. Mais ça me fait pas peur. Mais ça me rend très, très triste. Tu veux quoi, là? Tu veux du chocolat? Le décès d'un proche, ça rend triste à tout âge, quelle que soit la capacité de l'enfant à se représenter la mort. Evan, Inès et Lisa ont perdu leur papa il y a tout juste 3 ans. Une mort soudaine que personne n'avait pu imaginer. Il était en parfaite forme, il avait 43 ans. Il est sorti pour faire une sortie à vélo et puis il a fait un infarctus. Il était réanimé sur place et amené par la Rega au CHUV, où il a subi une opération. Et puis, quand je suis arrivée, on m'a dit qu'il avait été plongé dans un coma artificiel pour préserver son cerveau. Voilà. Et puis après, il ne s'est pas réveillé. Maman et tonton, ils sont venus nous dire, quand on jouait dehors, qu'il était mort. Moi, je pensais qu'il allait survivre parce que au début, en fait, on m'a juste dit qu'il allait à l'hôpital parce qu'il était tombé à vélo, mais on m'avait rien dit d'autre. Donc moi, je pensais qu'il allait revenir. Le grand qui s'est tout de suite mis à pleurer en disant non, que c'était pas possible, qu'il allait se réveiller. Inès, elle avait 6 ans, elle a pleuré parce qu'elle a vu qu'on pleurait, que tout le monde pleurait, mais je pense pas qu'elle a compris. Voilà. Lisa, elle a compris l'absence. Je pense qu'elle a aussi compris que ça ne changera pas. Papa? Mais c'est difficile de savoir comment elle comprend la mort parce que c'est quelque chose qui est abstrait quand même. Est-ce que tu penses que tu vas le revoir? Jamais. Il serait mort. Il est très mort, oui. Mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'on l'a oublié. Oui, pas toi, soyez. Pas ton ciel, il voit pas tout ça. Mais on regarde les photos. De mon père. Ouais. Hein? On a les habits. Ouais. Ici, il y a ce saut. Des fois, j'aime bien voir les photos et des fois, j'ai pas envie parce que ça rend triste.
T'es encore triste des fois? Des fois, je l'oublie parce que je fais des autres choses, donc je suis pas triste. Et des fois, quand je pense fort, fort, fort à lui, ben, je suis triste. Le soir, des fois, je lui parle. Puis on garde une petite chemise près du lit. Et puis ça, c'est la chemise où je dors avec mon doudou que le frère à mon papa m'a donné. Puis maintenant, c'est mon porte-bonheur. Quand ton papa est mort, est-ce que tu savais ce que ça voulait dire, vraiment? Oui. Puis j'étais triste de le savoir. J'aurais préféré pas le savoir. Mais alors pour toi, être mort, ça signifie quoi? Ne plus exister. Et un peu comme une flamme éteinte. Ça, j'aime pas trop y penser. Si, Inès, je te... Pour aider ses enfants à traverser cette épreuve, Mina s'est adressée à la Fondation Astram. Cette structure privée, présente dans tous les cantons romands, propose un parcours de 5 séances pour accompagner les enfants endeuillés. Est-ce que ça vous dit de faire un petit jeu pour se présenter? Oui. Vous venez de ça? Ah oui, moi je me rappelle. Alors bonjour, je m'appelle Philippe. C'est mon papa qui est décédé et je vis avec mon frère et ma maman. Et puis j'ai emmené ma maman et puis j'ai perdu mon père. Pour un enfant, être en deuil d'un proche, c'est quelque chose qui est compliqué à parler en famille. Lorsqu'on perd un parent ou lorsqu'on perd un frère ou une sœur, les membres de la famille sont tous en deuil et souvent l'enfant ne veut pas charger davantage ses proches. Un espace neutre, ça lui permet de poser déjà certaines questions qu'il ne s'autorise pas à poser à la maison. Et ça lui permet d'échanger avec d'autres enfants qui, eux aussi, vivent un moment compliqué au niveau émotionnel dans la famille. L'enfant, du haut de ses 3-4 ans, il est encore dans la pensée magique que tout ce qui se passe dans le monde est la conséquence de sa propre volonté. Et parfois, un enfant peut s'imaginer que « Oui, j'ai fait des colères, j'étais pas bien, et c'est à cause de ça que papa a eu un accident. » Mais ça, c'est compliqué. Ce sont des thématiques compliquées pour l'enfant à aborder en famille. Et il y avait qui à cet enterrement, tu crois? Mon papa. Il y avait ton papa, ouais. Et il y avait qui encore? Ma maman. Ouais. Ma soeur. Ouais. C'est tout. D'accord. Et toi, tu étais où? Ici. Je te rappelle plus? Parfois, les enfants sont tenus à l'écart de l'enterrement de leurs parents décédés. Représenter l'enterrement tel que les enfants l'auraient souhaité fait partie des 5 étapes de la méthode Reliance pratiquée chez Astram. Est-ce que vous y êtes, vous, à cet enterrement? Oui. Vous êtes où? Vous êtes mise dedans? Non. Vous avez envie de vous mettre avec des Playmobil? Oui. Vous pouvez vous ajouter si vous le souhaitez. On a beaucoup de parents qui nous appellent avec des questions. Oui, on fait quoi pour l'enterrement? Est-ce qu'on fait venir les petits? On invite les parents à associer au maximum les enfants dans tout ce qui va se vivre autour du deuil, en leur donnant une petite responsabilité dans tout ça. Par exemple, un enfant de 3-4 ans peut distribuer des fleurs au début de la cérémonie. L'enfant pourra par exemple mettre un dessin dans le cercueil du parent décédé. Ces petites choses vont permettre à l'enfant de se sentir davantage acteur de ce qui se vit et pas uniquement spectateur d'un système qu'il a du mal à comprendre. La temporalité du deuil chez l'enfant est très différente de celle de l'adulte. Lorsqu'un adulte perd un proche, on sait qu'il va avoir une période de sidération, de déni, ensuite plein d'émotions qui vont se succéder. Et progressivement, l'adulte va intégrer et accepter la mort d'un proche. Alors que l'enfant, il va intégrer tout ça au fur et à mesure que son niveau de compréhension va s'affiner. C'est tout.
Comment est-ce que tu te sens par rapport à ce que tu as ressenti il y a 3 ans bientôt ? Mieux, et puis la plupart du temps, je pense moins à lui. Mais sinon, par moments, le soir, par exemple, un petit peu quand même. Cette fois, je l'ai fait à Stram. Il y a tout ce que papa aimait. Les fleurs, parce que ça fait le printemps et c'est joli. Les coquillages, parce que on allait à la mer. J'ai mis ça bleu parce qu'il aimait le ciel. Les moments de joie avec les enfants, c'est une bouée pour nous tous, parce que aussi au début, ils ne savent pas trop s'ils ont le droit d'être joyeux ou pas. Ça, c'est aussi quelque chose qui a été dit chez Astram. On peut être triste et joyeux. Ouais. Il faut. Bonjour Anne Brunswick. Bonjour Aline. Vous êtes journaliste, écrivain, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous aussi, enfant, vous avez perdu un proche, votre maman, vous aviez 8 ans, et vous avez eu besoin, 50 ans après, de repartir à la connaissance, à la recherche de cette maman disparue. Vous avez publié ce récit chez Actes Sud en 2014, « Voyage avec l'absente ». Alors on va revenir à votre histoire, j'aimerais d'abord avoir votre réaction à ce reportage, à ces paroles d'enfant. Ça n'a rien à voir avec ma propre expérience. D'abord parce que je n'ai pas du tout été accompagnée à aucun moment. Il n'y a eu aucune parole qui a accompagné cette mort. Je n'ai pas été présente à l'enterrement, évidemment. J'ai appris la mort de ma mère avec presque 6 semaines de retard. Et après, jamais... D'ailleurs, le mot orphelin n'est pas prononcé dans le reportage, mais jamais le mot orphelin n'a été prononcé à tel point que je ne savais pas moi-même que j'étais orpheline. C'est difficile de parler de l'enfant en général, dans la mesure où, par exemple, j'avais 8 ans à la mort de ma mère, mais j'avais 2 aînés et 2 cadets, c'est-à-dire l'aîné avait 11 ans, la plus jeune 2 ans. Donc je ne pense pas qu'il y ait un enfant, mais que ça dépend beaucoup, d'ailleurs on le voit dans le reportage, de l'âge de l'enfant. J'accueille aussi Florence Auvergne-Abric. Bonjour. Bonjour Aline. Alors vous êtes enseignante de formation, vous enseignez depuis plus de 10 ans la philo pour enfants, et dans le cadre de l'église protestante de Genève, vous avez créé un spectacle de marionnettes, les Théopopettes, ça s'adresse aux enfants de 5 à 10 ans. Et alors là, vous abordez toutes les grandes questions de la vie, dont la mort fait partie évidemment. J'aimerais aussi avoir votre réaction à ce reportage. C'est extrêmement touchant d'abord, je dois dire, de voir à quel point les enfants ont... Déjà, dans la première partie, leur propre idée de ce que représente la mort, avec les mots qu'ils ont. Et puis, dans la seconde partie, évidemment, avec tout l'impact émotionnel qui vient du fait que ces enfants ont perdu quelqu'un de très, très proche, je trouve extraordinaire le travail qui est fait autour d'eux et qui leur permet, contrairement à ce que vous avez vécu, de pouvoir s'exprimer sur, déjà au niveau de leurs émotions, ne serait-ce que pour commencer par cela. Alors vous le dites, hein, il n'y a pas eu de mots autour de cette mort, Anne Brunswick. Concrètement, on vous l'a annoncé comment, la mort de votre maman ? Alors concrètement, mon grand-père vient nous voir alors qu'on est déjà chez une tante en Angleterre depuis 1 mois et demi. Et à ce moment-là, il nous prend à part, chacun, les 3 aînés, il nous prend à part. Et quand il vient me voir, moi, il me dit « Ta maman est morte et je sais que tu ne pleureras pas ». Et cette phrase m'est restée comme une énigme. Et de fait, je n'ai pas pleuré. Et de fait, nous n'avons partagé aucun chagrin ensemble. Non seulement il n'y a pas eu effectivement rien qui a accompagné la mort, mais aucun rituel de deuil et surtout du chagrin partagé. Et je me suis demandé après pourquoi. Est-ce que mon grand-père se doutait que je n'aimais pas ma mère ou que je ne l'aimais pas tant que ça? Ou bien est-ce qu'en fait, c'était une injonction de ne pas pleurer parce que lui... Et mon père, en fait, il n'aurait pas supporté que les enfants pleurent. Et que c'était plutôt pour se protéger eux-mêmes de nos larmes qui nous enjoignaient finalement de n'exprimer aucune émotion. Donc interdiction de l'émotion des enfants pour ne pas entraîner celle des adultes en quelque sorte. En tout cas, impossibilité de partager l'émotion. Alors, je crois que c'est pas le propre, peut-être j'étais dans une famille assez coincée, mais je crois pas que ce soit le propre juste de ma famille. Je pense que si l'adulte essaie de garder sa place d'adulte,
donc de celui qui sait, de celui qui contrôle la situation, alors que lui-même, il est submergé par l'émotion. Parce que lorsque ma mère meurt, mon père, il se retrouve père d'une famille de 5 enfants, rien dans son éducation, rien dans sa vie ne le prépare, en dehors du fait des circonstances vraiment difficiles de la mort de ma mère. Donc je crois qu'il est complètement dépassé par la situation. Mes grands-parents paternels sont aussi... ils doivent à la fois faire face à une situation concrète qui est très compliquée, et puis émotionnelle qui est très compliquée. Donc, il leur faut beaucoup de temps, il leur faut 40 jours pour savoir comment on va s'y prendre, déjà pour leur dire, et après, qu'est-ce qui vient derrière ? Et ce qui va venir derrière, c'est rien. C'est ça, rien, une mort muette, silencieuse. Un enfant de cet âge-là, 8 ans à l'époque, qu'est-ce qu'il peut comprendre quand il n'y a pas de mots mis autour ? Alors, je trouve intéressant que vous fassiez référence à l'époque, parce que je pense qu'effectivement, les enfants d'aujourd'hui sont vraiment poussés bien plus à parler que ce qui existait auparavant. Mais je pense qu'il y a autre chose, comme vous le soulignez aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de cette pensée magique de l'adulte qui pense que si on parle de la mort, on va la convoquer. Et de ce fait, on ne parle pas de la mort aux enfants, et surtout, on n'en parle pas quand ce n'est pas nécessaire d'en parler. Ce qui est peut-être finalement une erreur, parce que je le dis tout à fait modestement, je crois qu'on essaie toujours de faire du mieux que l'on peut comme parents, mais c'est vrai que si on arrive à parler aux enfants de la mort en dehors d'un contexte émotionnel qui, comme vous le décrivez très bien, nous submerge absolument, eh bien c'est tout ça de gagné, je dirais, parce qu'effectivement la mort est présente dans nos vies. Donc, on parlait avant d'y être confronté, et d'être submergé par l'émotion à ce moment-là. Il y a une situation particulière liée aussi au décès de votre maman, elle est décédée des suites d'un avortement. Absolument. Mais alors, donc, je ne pense pas qu'on peut dire à un enfant « ta maman s'est suicidée » ou « ta maman est morte des suites d'un avortement » et que le lendemain matin, il va se retrouver en cours de récréation à dire « bah oui, maman s'est suicidée ». Donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire de tout dire. Moi, je m'en veux du fait que j'aurais pu poser cette question-là au moins quand je suis arrivée à ma majorité. Donc, j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir poser la question, ne serait-ce que simplement à mon père, en lui disant « mais qu'est-ce qui est arrivé à maman ?» Non, vous ne l'avez pas autorisé à la poser, quelque sorte. Voilà, c'était une question interdite. Et le jour où je l'ai posée, j'ai eu peur que le ciel me tombe sur la tête, tellement je savais que c'était une question qui avait été refoulée et qui avait été censurée. Donc, il y avait un véritable tabou autour de cela. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, effectivement, Mme Brunswick dit peut-être qu'il ne faut pas donner tous les détails sur les circonstances. En même temps, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on ne dit pas ? Comment gérer c'est ça ? C'est extrêmement difficile. Je crois que s'il y avait un mode d'emploi, il y aurait beaucoup moins de souffrance, en tout cas à ce niveau-là. Je pense que ce qui est important, c'est d'essayer d'être authentique. Je crois que vous avez raison. Il y a des choses qui ne sont pas dissibles, en tout cas dans l'immédiat. Et vous avez également raison quand vous dites c'est un secret qui pèse. Et ça, on le sait, à quel point les secrets de famille, les choses qui n'ont pas été dites, sont lourdes à porter dans la vie des gens. Je pense quand même que les choses peuvent être dites certainement à des moments différents dans l'évolution de l'enfant, au fur et à mesure qu'effectivement sa compréhension s'affine, comme le disait fort bien la personne de l'association dans le reportage. Mais si il vaut mieux être maladroit et dire mal les choses en essayant de les reprendre et d'en discuter avec les enfants que de ne rien dire. C'est en tout cas ce que je pense. Vous travaillez avec les mots, véritablement. Oui. Et puis, vous avez notamment écrit une scénette, une parlotte des Théopopettes, dites, sur la mort. Je vous propose d'en regarder un bref extrait et on y revient juste après. En fait, on va où quand on est mort ? Personne ne le sait exactement, Popette. Et c'est pourquoi on a tous peur de ce moment. C'est comme si on devait pousser une grande porte sans savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Oh, mon papy, quand on regarde les étoiles, il me montre une là-haut qui brille très fort. Et puis il me dit, tu vois Théo, là-haut, cette étoile qui brille plus que les autres. Eh ben c'est ta maman. C'est ta maman. Voilà, c'était la réponse donnée à Théo.
Alors, il y a l'histoire des étoiles, certains disent on va au ciel, certains parlent de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut dire, ne pas dire? Est-ce que quand on dit à un enfant, oui, ton grand-père, il est au ciel, il imagine qu'il va pouvoir aller le voir, lui faire coucou depuis un avion? Enfin, est-ce que c'est une bonne chose ou ça les embrouille, finalement? Alors, c'est vrai qu'il faut être prudent. C'est pour ça que je vous parlais du fait d'expliquer et de revenir avec les enfants. Parce qu'évidemment, parler du grand-père qui est au ciel, ça peut être très angoissant parce que le grand-père va toujours être présent d'une manière ou d'une autre, il va pouvoir toujours nous regarder. Et puis, est-ce que c'est le même ciel que les avions? On peut imaginer toutes sortes de choses si on pense que le défunt est parti au ciel. Mm-hmm. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'ambiguïté dans les mots qu'on emploie, mais on a que cela à disposition. Donc, mm-hmm. le problème n'est pas tellement de bien choisir ces mots que de discuter. Il y a beaucoup de confusion dans la tête des enfants quand on leur parle de ce qui se passe après la mort. Et puis, je crois qu'il faut distinguer ce qui fait partie des croyances qui appartiennent à ce que nous pensons de ce qui s'ouvre après la mort, et puis ce qui se passe au niveau de la mort réelle, du rite, des choses qui se passent dans la vie au mmh. moment mmh. de la mort de quelqu'un, et puis l'imaginaire. Et l'imaginaire, alors là, il y a encore d'autres portes qui s'ouvrent. Anne Brunsvic, vous, cette absence de mots qui a entouré la mort de votre mère, vous les avez utilisés après, en quelque sorte. Vous avez fait profusion de mots, vous êtes devenue écrivain. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis devenue écrivain, parce que s'il suffisait de dire simplement « Bon, alors papa, raconte-moi ce qui est arrivé à maman », j'aurais pas eu besoin d'être écrivain. Mm-hmm. C'est précisément parce que il n'y avait aucune place dans l'oral et dans une conversation normale pour ce genre de questions que j'ai commencé à écrire. Alors, ce livre, il a commencé par une enquête sur effectivement ce qui m'était caché, c'est-à-dire qu'est-ce qui était arrivé, quelles étaient les circonstances de la mort de ma mère. Et j'ai failli écrire un livre où je la faisais pratiquement pas. Il y a une image qui me manquait. Je voulais voir ma mère sur son lit de mort, puisque je ne l'avais jamais vue malade. Je voulais imaginer quels avaient été les derniers moments de sa vie, quelles avaient été ses dernières pensées, quels avaient été ses derniers mots. Bon, tout ça était absent. Et puis finalement, je me suis dit, d'abord c'était trop triste quand j'ai commencé à écrire ça, j'étais moi-même submergée par l'émotion. Et je me suis dit que finalement, ce qui était plus important pour moi, c'était de la faire revivre. Voilà pourquoi j'ai choisi cette forme, je lui écris des lettres, elle ne me répond pas. Mais si je lui écris des lettres, j'écris des lettres à ce fantôme. C'est à la fois parce que pour moi, c'est un fantôme, c'est-à-dire comme elle n'a jamais été enterrée, finalement, elle m'a toujours accompagnée. Mmh. Et en même temps, le livre permet peut-être d'en finir avec le fantôme et de lui donner une véritable sépulture. Voilà, cet enterrement auquel je n'ai pas assisté, ces rituels qui n'ont pas eu lieu, ben peut-être que le livre, la littérature va servir de substitut. Un tombeau de mots à la place de l'enterrement auquel vous n'avez pas pu assister. À l'époque, à la fin des années 50, au moment où vous avez perdu votre maman, Anne Brunsvic, c'était très compliqué de parler de la mort, on le comprend. Ça l'est toujours aujourd'hui dans notre société en tout cas. Mmh. Qui a mis la mort véritablement à l'écart? Pourquoi? Parce qu'elle effraie, parce que la mort est effrayante, parce que, comme le dit la marionnette, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc c'est vrai qu'il faut affronter cet inconnu et que c'est une chose qu'on se refuse à faire. On est dans une société qui nous pousse à tout connaître. On a le sentiment qu'on est de plus en plus connecté, qu'on est de plus en plus puissant dans la connaissance des choses. Et ça, c'est une chose qui nous échappe totalement. Mmh. La mort est et reste un mystère pour tous. Et finalement, on parle aujourd'hui de comment parler de la mort aux enfants. Est-ce qu'il ne faut pas apprendre à en parler aux parents? Très certainement. Très certainement, parce qu'on voit que les enfants, ce qui est très bien montré dans votre reportage, les enfants ont naturellement... sont confrontés à la mort et donc trouvent des mots pour en parler. Par contre, pour les parents, c'est très, très compliqué. Et c'est encore plus compliqué quand c'est une question qui vient des enfants. Ouais. Votre papa, Anne Brunsvic, oui, il a eu beaucoup de mal à vous en parler, même très très longtemps après. Vous avez dû un petit peu le tarabuster pour qu'il vous parle de votre maman. Oui, oui, oui. Je voulais juste revenir sur l'imaginaire, parce qu'en fait, c'est vrai que tout ce qu'on ne nous dit pas quand on est enfant, ben, on le remplace par de l'imaginaire. D'abord, tout le monde rêve. On sait très bien qu'après la mort, d'ailleurs qu'on nous ait parlé ou pas, de toute façon, le mort continue à habiter nos rêves pendant très longtemps. Je crois aussi beaucoup à l'histoire de la Belle au bois dormant, parce que elle est morte, évidemment. Et en même temps, 100 ans plus tard, l'amour lui permet de revenir à la vie. Et ça dit quelque chose. Ça dit que tant qu'il y a de l'amour, eh ben, l'autre reste vivant. Donc je pense qu'on peut dire, y compris à ses enfants, quand on leur montre des photos de leur papa mort, tant qu'on pense à lui, tant qu'on a des photos de lui, tant qu'il y a des gens qui l'aiment, eh bien, il vit toujours dans nos cœurs.
Je crois que ça, on peut le dire, qu'on soit croyant ou pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à cette émission. Florence Auvergne, les Parlottes des Théopopettes se déclinent en 3 DVD, je crois. En c'est tout à fait exact. C'est dans la saison 3 que se trouve la petite scénette sur la mort. Et puis alors, vous en êtes déjà à la 7e saison. C'est absolument un succès. Elle commence le 9 novembre à 15h30 au Temple de la Fusterie à Genève. Et puis alors, pour tous les parents qui aimeraient aller un petit peu plus loin, je propose 2 ouvrages. Ce sont des guides pratiques « Accompagner l'enfant en deuil » publié chez Favre en 2015 par la Fondation Astram. Et ce petit cahier « Au secours, mon enfant me pose des questions sur la mort » d'Alix Noble, thanatologue, et il est à commander sur son site internet alixraconte.ch. Et si vous souhaitez réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse faut pas croire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook. Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain, même chaîne, même heure. Et d'ici là, passez une excellente semaine.